Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite et fin, je pense, de One Piece World Seeker. Donc j'ai fait une grosse aparté en parlant de notre jeu. Donc là c'est parti pour la fin. Usopp, Nami, Robin et Jeanne. Bien joué Luffy, mais avant d'aller à l'Omnicanon, vérifions notre itinéraire. Il y a trois façons d'atteindre le sommet de Topaz Mine, là où se trouve l'Omnicanon. Le chemin de la montagne au nord-ouest de Saphir Town, l'escalier à l'est de Saphir Town, ou le tunnel de Topaz Mine. Choisis l'option qui te concerne. Ah oui, merde. Frankie est déjà en route, donc le canon devrait déjà être paré quand on arrivera là-bas. Bien sûr, la marine connaît déjà nos plans, alors beaucoup de soldats surveillent les abords de la mine. Les autres sont déjà en train de les affronter sur leur chemin. Mais nous ne devons pas baisser notre garde. Sois prêt à te battre. Allez en route, pour l'Omnicanon. On doit renvoyer Jeanne dans la prison volante. Un problème, Jeanne? On s'est peut-être occupé de la plupart des robots, mais c'est toujours le chaos sur l'île. Je sais que la seule solution est d'arrêter mon frère, mais je m'inquiète pour les autres. Ne t'en fais pas, Jeanne. C'est l'oncle, ça, non? Ouais. Ça, on s'en occupe. Tu as tant fait pour nous aider. Maintenant, c'est à notre tour. Si j'en vois qui se battent, je les calmerai à gros coups de poing dans la gueule. Je m'occuperai des blessés. Chopper m'a montré comment faire. Hein? Vous êtes sûr de vous? Tu l'as dit. Oh. Tu l'as dit toi-même. C'est normal que les membres d'une famille s'entraident. Contente-toi de t'occuper de ton frère. Et de revenir en un seul morceau, bien sûr. Il faut encore qu'on discute de l'avenir de l'île, non? Très bien. Ok, c'est parti. Direction la prison volante. Ok, c'est parti. Et du coup, je peux pas. Fais attention à toi, Luffy, il y a bien plus de soldats que d'habitude. Bonjour, Usopp, tu peux pas venir avec moi? Sauvetage. Quoi? Ah, termine la mission principale sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Ah, d'accord, c'est pour acheter des trucs. Ouais, mais non, en fait. Je crois que j'ai tout. Pas besoin de. C'est une question de vie ou de mort, alors vas-y. D'accord, ils l'ont juste mis en mode. C'est un shop, quoi. Un magasin. Bon, on va passer par le chemin que je connais. Par là, je crois. Mauvaise herbe a encore disparu. Où est-ce qu'il est encore passé? Tu m'as pas vu, toi? Mais pourquoi les marines ils mettent pas en fait? Genre, ah oui, peut-être qu'ils ont pas eu les ordres. Je sais pas. Ah, mais du coup, je suis en facile. Attendez. Faut que je remette en. Je vais... Vu que c'est des marines normales, je vais mettre en difficile quand même. Histoire de pas être. Escalader les montagnes est éreintant, mais je ne vais pas faire de vieux sauts. Doke! On dirait Luffy qui force à nous en. Doke! J'ai atteint le canon, je m'occupe des ajustements. Du tout. Oh putain, il y a des robots. Oh, je vais repasser en face. Seal. Oh la con, ça va. En plus, ça va me faire tomber de la montagne. Ouf. Il y a du CP9, il y a des marines, il y a des. Sabot, karma total à ta. Ah oui, parce que j'ai tué tous les gens du gouvernement. Enfin, 75. Ouais, je crois que le robot est en train de se taper avec le marine, donc on s'en fout. Quoi? C'est bon? Du coup. C'est bien ici pour farmer les agents du gouvernement. Attendez, parce que là, s'il réapparaît, c'est que c'est un bug.
Ouais, c'est bon. C'est où l'escalier là? Là. Les soldats continuent d'affluer, ils ne plaisantent pas. Putain, je vais les déliminer. Ouf, ton bouclier, toi, il t'a pas servi à grand chose du coup. Je crois que là où il y a beaucoup de gens, on va pouvoir utiliser le haki. J'ai pas le temps à perdre avec vous. Ouais, salut. Oh putain, j'aurais dû garder mon kill pour ici. Un abyss amiral. Oh putain. En plus, si je meurs, je dois tout recommencer, c'est ça? En fait. Oh 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 oh! C'est bon, tout le monde est mort, parfait. Voilà. Ouh! Plus que 4 chefs de la marine à battre. Pour mon défi. Bon, attendez, je vais attendre que ma vie remonte un petit peu. En attendant, je vais regarder mes compétences. J'ai dû gagner beaucoup de choses, je pense. Gear 4, on va augmenter le Gear 4. Parce que... faut que j'achète toutes les compétences. La stockade, voilà, ça. Voilà. Ah, ça y est. Ah, c'est pas tout. Merde. J'ai pas le trophée, du coup. Qu'est-ce que je peux améliorer qui va m'aider? La récolte, on s'en fout. L'ovni. Ah, putain, l'ovni, je pouvais l'améliorer. Bon, c'est pas grave. Le Red Hawk, on va l'améliorer. Bonus d'élimination consécutive, on s'en fout. La garde, on va l'améliorer. Tir percutant. Augmente davantage la valeur des étourdissements et des coups critiques. Vas-y. Et je peux améliorer quoi d'autre? C'est tout. 500. Ah, ça, je peux. Le tonneau, on s'en fout. Ça, 800. Oh là là, il me faut beaucoup de points. Hein. Ah, et ma vie n'a pas remonté quand j'étais en pause, ok. On va faire attention. Ou alors je peux monter comme ça aussi. Il se passe quelque chose de terrible près du sommet. Quoi? On a presque fini d'ajuster le canon. Viens voir par là. Quelque chose de terrible. En plus, vous avez vu, on peut même pas esquiver le combat parce qu'il nous regarde. Ah si. Les gars, il faudrait changer. Karma 2. Oh, bah c'est parfait, j'ai fini tout mon karma. Salut les gars! C'est des méchants, hein, si vous me posez la question. Oh oh. Il a reculé comme il est. Bref. Je me rogue. Mais. Tout est prêt, Luffy, on t'attend au sommet. J'aurais pu... Oh, il y a des mecs en bas. Ah oui, des mecs que j'avais pas buté. Toi, tu dégages. Et vous... Oh, pacifiste... Oh, on s'en fout. J'aurais eu du karma à la limite, mais là... Je n'ai pas... Oh, il y a un pacifiste. Personne ne l'a vu. Voilà. Il suffit de bien viser. J'ai mon haki, vite. Au cas où il y a des ennemis ici. On peut faire un truc classique, j'ai mon haki. Oh oh. Dragon no musuko,
Ah, le regard là en mode Ace. Ah, ah. Archiclasse. C'est comme Kizaru, mais c'est archiclasse. Fais-y lâcher son cigare à ce connard. Akainu, c'est un très bon personnage aussi, très bon méchant. Il avait 3 attaques. Attendez, je me concentre parce qu'il frappe très fort. Putain, il m'a donné une piche nette. Il m'a donné une piche nette, ça m'a enlevé toute ma vie. Oh, oh, ça je me souviens de cette attaque. La piratoria, ça fait très mal. Tolingen! Augmentation. Oh, oh, attendez, 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 attendez. Karma Akainu. Je dois faire quoi sur Akainu? Gum Gum Eagle Storm et Elephant Rafale. On va essayer de tout faire. Ah mais je peux pas. Putain bâtard. Je regardais en l'air du coup il m'a attaqué. Ah merde, je voulais esquiver dans le moment. J'ai presque envie de mourir, vous savez pas. Vas-y, tu mens. Non, vraiment, tu mens. J'ai envie de faire le karma maintenant parce que j'ai peur de le louper. J'ai vraiment peur en fait qu'il y ait un truc le manquable. Et qu'après la fin du jeu, du coup, je peux plus retrouver Akainu. Vraiment, ça me ferait chier. Donc, ouais. Bon, désolé, mais là, c'est vraiment pour mes défis. Et sinon, je le battais, franchement, ouais, ça va. Il frappe fort, mais une fois que tu connais. Que tu connais son pattern, j'ai envie de dire. Le seul truc dangereux, c'est quand il lance des trucs en l'air et que du coup, tu dois regarder où ça tombe, mais pendant que tu regardes en l'air, il t'attaque. Ça, c'est dangereux. Mais bon. Je vais boire un coup, tiens, j'ai pas bu entre les deux vidéos. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, what? Et je bois beaucoup, ouais, je m'en rends pas compte, mais je bois beaucoup. J'ai bu 7 bouteilles en... C'est pas qu'il me toucherait là. Oh, j'ai les 3. On va lui faire le éléphant rafale. Vas-y frère. Oh, tout ce que ça enlève. Oh, ça enlève beaucoup de fil. Maintenant, on va esquiver pour récupérer de la vie. Quoi? 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 Ah. Ouais, écoutez, on ne peut pas avoir. Ah,
bâtard. Ah oh, d'accord, ah je l'ai battu en un coup. Ah merde. Ok. Tu n'as plus rien à voir avec le gamin que tu es autrefois, que tu étais autrefois. Mais tu appartiens vraiment à une lignée dangereuse. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Hey ce... Ah Gear 4. Non c'est... Oh. J'avoue, c'est classe. Ça va? Réfléchis, Luffy. Est-ce que c'est vraiment le moment de se battre avec lui? J'avais presque oublié. Je dois aller à la prison volante avec Jeanne. Va prendre la fuite. Veux continuer. Merci, Sabo. Je compte sur toi. C'est Sabo qui a eu... On en parlait dans la vidéo précédente, une scène qui marque, et bien c'est Sabo qui a eu la scène la plus marquante du jeu. Oh, classe, cette... Oh. Cette position avec le doigt sur le chapeau, c'est... Gros combat, en tout cas, j'espère que vous appréciez. cette position avec le chapeau, c'est un truc de Ace. Ah, c'est bon, tout le monde va venir sur l'île céleste avec moi. Frankie, est-ce que tout est prêt de ton côté? Pareil, oh, décollage. Allons mettre une petite visite, rendre une petite visite à ton frère, Jeanne. Allons-y. Ah oui, mais non. Oh, oh. Zoro, il vole. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Vous voyez, c'est le genre de scène que je veux dans un jeu vidéo, putain. Ça c'est classe. C'est dommage qu'il y avait que Usopp et Zoro. C'est dommage. Sanji il peut voler. Sanji peut voler, il aurait pu nous accompagner. Il aurait pu nous défendre. C'est Nami, elle contrôle les nuages. Nami, elle aurait pu faire tomber la foudre sur les robots. Et Robin, elle peut faire pousser des mains, elle aurait pu casser les robots en deux alors qu'ils étaient en l'air, je sais pas, ou boucher leur propulseur avec ses mains. Mais non. C'est dommage. Merci de m'avoir permis de monter à bord. Attendez, déjà, première chose. Mais Usopp a une scène classe, avec Zoro en plus, donc je suis content. Merci de m'avoir permis de monter à bord. Tu me remercieras plus tard, retrouvons ton frère, tu as raison. J'espère qu'il n'y a pas de robots. Ah si, il y aura des robots ici du coup. Putain de bordel de merde. Trouve Isaac. Attendez, je vais tout visiter du coup. Ici, c'est quoi? Je peux descendre? Ah. Gros jeu. Gros jeu. On va rien dire. J'espère qu'il n'y a pas de... ton hélice là, elle tourne pas très vite, hein. T'es sûr qu'on vole? Parce qu'une hélice qui tourne à cette vitesse, ça m'étonnerait que ça puisse faire voler quoi que ce soit. Ah, Isaac! Bon. Qu'est-ce que tu fais là? On est venu t'arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire après avec les pierres de Dino Rock? Comment comptes-tu te venger exactement? Le fée au chapeau de paille. Tu me fais vraiment l'effet d'une épine dans le pied. Réponds-lui, Isaac. C'est elle qui te parle, là. Je vais attaquer la terre sainte de Marie-Joa. Grâce aux pierres de Dino Rock, je vais simplement l'effacer de la carte.
En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est, je suis plutôt pour ton plan en vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais faire s'écraser la prison volante où j'ai réuni toutes les pierres de Dinarock en plein cœur de Marie-Joa. La plupart des forces de la marine, y compris l'amiral de la flotte, sont maintenant pris au piège et je leur ai tendu. Grâce au soulèvement des habitants de l'île, tout le monde n'est pas prêt de s'en aller. J'admets quand même que je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu ne peux pas te servir des pierres de Dinarock pour te venger. Tu crois vraiment que c'est ce que maman aurait voulu? Maman ne voudrait pas que qui que ce soit se serve des pierres de Dinarock comme arme. Ça lui a coûté la vie. Et qu'est-ce qu'elle a accompli en faisant ça? Qu'est-ce qu'elle a protégé en mourant? Si la marine et le gouvernement mondial ont construit des bases ici, c'était pour comprendre comment on extrait les pierres de Dinarock. Et s'ils avaient mis la main sur une seule de ces pierres, ça aurait voulu dire que notre mère avait donné sa vie pour Hei. Il n'est pas question que je les laisse piétiner cette dernière volonté. Elle ne sera pas morte en vain. Je vais lui rendre justice en punissant ces pourritures du gouvernement mondial. Avec les mêmes pierres de Dinarock que celles qu'ils ont voulu nous voler en tuant notre mère. Et pour mener cette vengeance à bien, je n'aurai aucun scrupule à tout abandonner et à risquer ma vie exactement comme maman l'a fait. Tu te trompes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te trompes. Maman n'a rien abandonné du tout. Maman a donné sa vie pour protéger l'île et pour nous protéger, toi et moi. Alors je vais honorer sa mémoire et protéger ce qu'elle voulait protéger. Moi, c'est pour ça que je vais risquer ma vie. Tu es allé trop loin, Isaac. Je ne te laisserai pas faire. この男と出会ったことで、お前は変わったのだな。変わったんじゃない。気づいたの。守るべき大切な人たちと、本当の気持ちに。残念だ。兄さん、何を。お前はもう眠っていろ。計画の邪魔だ。あ。Oh là là. Oui, tiens-nous. Luffy. Omega. Moi, tu dois. Nissan. Ah, pas capté. Robo no Aitsu ni wa yo wa ne. Moi, tu dois. Isaac to hanashi o sasete yaru. Nani yatten da? Jannu wa kazoku ja ne no ka? Kudaranai koto. あいつを生かしていたことが全てを捨てる覚悟ができていなかった証だ。私は今全てを捨てる。ロボの声で喋るなよ、アイザック。わからんやつ。お前がここにいる理由はないだろう。Ça m'a fait rire quand il dit ça parce que je fais une voix de robot à Frankie aussi, parce que quand je te regarde, tu vas dire quelque chose de profond. Tu vas dire quelque chose de profond. Tant pis pour toi. Luffy au chapeau de paille, c'en est fini pour toi. C'est le même regard que quand il a vu Akainu. Je te sais déjà, mon bref. Oula, pourquoi il brille? Pourquoi il est tout flottant là? Quoi? Ça fait bip 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 bip. Je crois que je sais pas vu faire. Il esquive tous les coups en fait. D'accord. Ah. Ah d'accord, le bip c'est quand il esquive. Voilà.
toi. Arrête d'appeler tes sous-fifres là. J'ai toujours pas enlevé un seul truc de vie. Hein. Pourquoi il tire à côté? Je comprends pas. Putain, mais deux robots maintenant. Oh, putain. Bon bah les coups, je vais tous vous niquer comme ça. J'ai trouvé la technique pour tuer les robots, donc je vais en profiter. Putain, l'autre il m'attaque du coup. Faire gaffe. J'ai toujours pas enlevé une seule barre de vie à l'autre là. Hein, quoi? À toi. Bâtard. J'ai envie d'essayer un Red Hawk contre lui, mais... Tu vas voir ton robot s'il va survivre au Haki des Rois, mon pote. D'abord je me défonce lui là, avec un uppercut. Toi, viens là. Ah ça y est, j'ai touché. Classe, c'est bon, j'ai touché. Touché, j'ai dit. Isaac, tu vas pouvoir continuer dans cet état ? Chapeau de paille. Tu n'es qu'un minérable pirate. Pourquoi est-ce que tu l'aides? Jeanne veut te sauver. Il m'en faut pas plus. Ne me fais pas rire. Elle veut me sauver, moi. Je vois bien ce qui se passe. Tu ne lui as pas dit pour ton frère, pour ce qui est arrivé à Ace. Est-ce que tu essaies de reporter indirectement ton échec sur Jeanne et sur moi? Eh, tu veux m'aider, peut-être? Comment le pourrais-tu? Tu n'arrives même pas à t'aider toi-même. Si tu veux vraiment m'aider, je disparais. Disparais de ma vue. Tu commences sérieusement à me saouler. Jeanne et toi est en vie. Tu as subi une grande perte, mais depuis, tu fuis. Jeanne est bien plus forte que toi, elle te fait peur. Tu te caches sous cette armure de robot pour pas avoir à la regarder dans les yeux. Tu en as du culot pour une sale vermine. Tu ne sais rien. Oh putain, il y a le dégazant. Il y a le général Frankie là. On dirait une chaudière, hein, ton robot. Je dis ça, je dirais, mais mon grand-père avait la même chaudière. Ah! Radical Beam! Non, c'est bon. J'ai eu peur. Je crois qu'il avait l'attaque de... On peut le taper.
qui va sur Armour. Comment je fais là? Ouf, comme ça, ça suffit. Non. Putain, c'est vrai qu'on peut pas le... Vas-y, attaque. Des rois. Ouf, c'est un bon. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. J'ai juré de me venger. Esquive au dernier moment, mais... Oh putain, il fait deux attaques. Oh, oh putain, oh, il faisait un jeu de plateforme. Non, 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 tout qui a explosé, mais on n'a rien vu. Finir comme ça, ça aurait été trop classe. Oh le bâtard. Ça sera la même cinématique en plus. Dommage. Dommage que ce soit la même cinématique. On va dire que le Red Hawk a touché et que je l'ai battu comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus classe. OK. Yamero. Ikanai de kure, kaasan. Isaac. Sore wa watashi datte ikitaku wa nai wa yo. Dattara. Oh, le chapeau de paille. Ikanakya naranai no. Anata mo itsuka wakaru wa. Mayottara anata no te ni wa nani ga aru ka yoku mite minasai. Sore ga anata wo tsuyoku shite kureru hazu yo. ない
何もないんだ。全部、全部捨ててしまった。あら、そんなに簡単に捨てられるのかしら。あるはずよ、私が守ったもの、あなたが守るべきものがそこに。さあ、目をそらさず見てみなさい。母さん、母さん。ça va, sympa, ça va, ça va。ジャン。麦わら、お前が私をここに。兄さん、空中監獄がだんだん下に落ちているの。衝撃でダイナガンが爆発したら、島が、みんなが死んでしまう。なんとかしないと。兄さん。ジャン、お前は母さんの復讐をしたいとは思わないのか。思うわ。ならば。でもそれよりも私は母さんが守ったものを守りたい。兄さんと一緒に。だから兄さん、いい加減力を貸して。兄さん。何がそんなにおかしいのよ。こんな大変な時に。麦わらのルフィ、用事は済んだろう。そろそろ引き取り願おうか。下にお前たちの船が来ている。お前はどうすんだ。ダイナガンを世界政府に渡すことはできない。このまま空中監獄ごと爆破する。もう少し島から距離を稼ぎたいが、予定外の戦闘で水力が落ちている。対三対将用に作ったアーマーをお前が私に使わせたおかげでな。論理のかけらもないバカを相手にするとろくなことがない。え、兄さん、何を。麦わらのルフィ、私はお前が嫌いだ。だからお前をここから落とす。うわ、兄さん、ルフィ。ジャン、すまなかった。兄さん、待って。兄さん、私は兄さんともっと一緒に。島を頼む。母さんの守った私たちの島だ。私も私のやるべきことをやろう。兄さん、やっとやっと兄さんが帰ってきたのに。聞きたいことも話したいこともいっぱいあるの。Ma tenue. Waouh. Oh, c'est dommage, ils m'ont enlevé ma tenue, c'est pas cohérent. してる場合じゃなさそうだな。よそ見しとる余裕はありゃせんぞ。おう、ん、島民が危険な目に遭っている時だ。チンピラに関わってる場合じゃございやせんでしょう。
戦争はしまいじゃ。島民たちを避難させろ。Fujitora là qui remet Akainu en place. Meilleur amiral Fujitora, vraiment. その時は生まれ変わったこの島を見に来てね。ああ。ルフィ、早く司令塔、海軍の連中が。分かった。今行く。Il n'y a pas eu le festin. À chaque fin d'arc, il y a un festin normalement. Oh, le petit, il avait le bras d'Isaac. Trop classe. Putain, normalement, il y a un festin à la fin de l'arc. Ok, bon, bah voilà, le jeu est terminé. Je vais passer le générique. Je suis désolé, mais je vais passer le générique. Ah. Ah, il y a l'eau, oui, c'est vrai, on n'a pas oublié l'eau. Ah. Oh, trop classe! C'est là le tome 61, la couverture du tome 61. J'allais dire justement, cool, ils ont osé tuer quelqu'un, mais... Ah, oh, c'est ridicule. C'est dommage, mais c'est dommage. C'est dommage, pourquoi vous l'avez... Oh. C'est dommage, mais il était mort, il avait une belle mort et tout. C'est les Dynarok, les gars, c'est un truc d'une puissance de ouf. Et du coup, attendez, je vais recontinuer. On va continuer un petit peu quand même pour débriefer un petit peu le jeu. Et finir le jeu à 100% parce qu'il me reste une mission à faire. Dans le karma d'Akainu. Du coup, voilà. Mais bon, voilà, le jeu est fini. Bon, l'histoire... Alors... Je sais pas quoi, en vrai, je sais pas quoi penser du jeu parce que l'histoire est bien. Franchement, les grandes lignes de l'histoire de l'île, etc. Franchement, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. C'est du Oda. Ça se voit que c'est du Oda, ça se sent. Le problème que j'ai, c'est que... On se fait chier. Enfin, on se fait chier, oui, d'une part, mais surtout, c'est mal mis en scène. Pour l'histoire, c'est mal mis en scène. Genre... Genre les quêtes... Enfin, c'est... Déjà, t'as pas de cinématique, premièrement. Les cinématiques, le peu qu'il y a, à part celle à la fin,
Ah, du coup, ça me fait recommencer ici. Attendez. Mais c'est pas... Hein ? Hein ? Mais c'est totalement con. Luffy ? Hein ? Mais c'est totalement con. Attendez, attendez, là c'est totalement con ça. Mais genre, comment tu... C'est totalement con. Comment tu... Akainu, ça nous renvoie avant la fin du jeu. Mais comment tu fais le dernier karma, en fait? Attendez, vous savez quoi, je vais aller voir ça en direct sur Internet. Mais sinon... voilà, incroyable. Attendez. Easter Egg, Home Panda... Trophée, succès bloqué, ça doit être ça. J'ai un problème avec le succès, fond jusqu'au sommet, j'ai fini tout le karma à 100%, qui a une compris et fini la dernière mission deux fois, mais le succès ne se débloque pas. La troisième fut la bonne, j'ai recommencé la dernière mission, puis une fois de nouveau au chapitre 14, le succès est tombé. Le jeu est quand même vachement mal foutu. Je suis totalement d'accord avec toi. Gros bug. J'ai fini le jeu, mais je n'ai pas sauvegardé, c'est ça. C'est normal qu'après avoir fini le jeu ne s'est pas sauvegardé tout seul. Normalement, t'as une sauvegarde complète, mais c'est de la pure merde. Tu ne peux pas continuer les quêtes secondaires que t'as laissées de côté, pure baise, même problème. Non, mais c'est pas une histoire de sauvegarde ou non. Quoi qu'il arrive, on te ramène ici, merci les devs. Du coup, on ne peut pas avoir le 100%. Comment on fait pour avoir tous les trophées, en fait? Attendez, c'est archi drôle ça, par contre. Regardez, vous voyez, je suis en train de débriefer le jeu et là on me montre que le jeu c'est de la pure merde, genre vraiment. One Piece World Seeker PSTHC. Pour les trophées, il y a un trophée. Enfin, attendez, je l'ai pas eu le trophée platine, d'accord, je vais vérifier, mais le jeu est mal foutu. Ça aussi, c'est un énorme problème du jeu, c'est qu'il est tellement mal foutu, c'est incroyable. J'ai jamais vu un jeu aussi mal foutu. Obtiens tous les trophées, je l'ai pas eu. Ah si. Ah non, d'accord. Il me manque un trophée. Atteins le rang pirate 100. Apprends toutes les... Ouais, ça c'est vrai. Ça à la limite, je suis d'accord. Un rang pirate 100. C'est quoi le rang pirate? Karma. Je suis à 94. Et les compétences, je peux pas les apprendre parce que j'ai pas assez de points de compétences. Il faudrait que je farme là, ça veut dire? Oh putain. attendez, c'est n'importe quoi. aucun trophée ne peut être manqué. Ah, ben ça, j'aurais dû le savoir plus tôt. Passez tout de même à fond jusqu'au sommet afin de vous éviter d'allonger. Atteint le pirate 100. Vous pouvez suivre l'avancée de ce trophée, blablabla. Vous commencerez à faire évoluer votre rang de pirate à partir du chapitre 6, blablabla. Ce dernier augmente en fonction du karma avec les différentes factions. Par exemple, les pirates au chapeau de paille, l'eau, etc. Vous constaterez qu'à fur et à mesure de votre avancée dans le scénario, ainsi que le contenu annexe que le monde de l'onglet karma de votre menu principal se remplira de diverses factions. Afin d'améliorer votre relation avec tout le monde, sélectionnez un groupe et regardez les objectifs, blablabla. Ça, je le savais. Tous les objectifs sont particulièrement simples à réaliser. Les seuls pouvant rester sur la durée sont ceux demandant de toucher, juste de toucher et non de vaincre un boss de la marine avec les trois attaques spéciales de Luffy. Red Hawk, blablabla. Les deux dernières techniques s'obtiennent via le menu compétences, blablabla. L'idéal, afin de vous débarrasser rapidement de ces objectifs, est d'avoir débloqué, en plus des attaques spéciales de Luffy, les compétences gain de tension et conservation. Bon, ça, j'en fous. Cela modifie blablabla. Si en arrivant sur un dernier objectif pourrait peut-être vous gêner.
Là, on vous demande de faire une élimination sur Smoker, c'est-à-dire de frapper avec un ce dernier par derrière lorsqu'il ne vous voit pas. Vous devrez donc forcément rencontrer l'homme fumeur, ou alors avec le haki. Alors, le Karmas Akainu s'ajoute dans votre menu principal seulement à partir du chapitre 15. Cependant, c'est après le point de non-retour du jeu qui est le chapitre 14. Lorsque vous parlerez à Jeanne sur la place Emery, si vous terminez le jeu, vous reviendrez avant le point de non-retour avec l'expérience engrangée, mais sans Sakazuki, dans le karma. Donc, pour ce trophée, vous devrez forcément être à 100% en karma avec toutes les factions. Hein ? Sauf Sakazuki, d'accord ? Avant d'enclencher la fin de l'aventure en parlant à Jeanne. Si vous n'arrivez pas à accomplir le karma de Sakazuki, sachez qu'une fois le jeu terminé, vous revenez devant Jeanne au chapitre 14. Vous pourrez donc relancer les derniers chapitres et retenter votre chance. Hein ? Hein ? Quoi ? Il faut que je refasse... Allez vous faire foutre ? Genre vraiment, allez vous faire foutre ? Il faut que je refasse tout le chemin, là, tous les robots sur toute l'île. Allez vous faire foutre. J'ai pas d'autre. Je suis désolé, allez vous faire foutre. Je voulais faire les 100% en vidéo, mais c'est mort. Jamais de la vie. Interdit, non. Interdit. Je suis désolé. C'est quoi ce... Vous avez vu ce jeu de merde ? Je suis désolé, mais on te demande... En fait, pour le trophée platine, il faut avoir 100% en karma. C'est-à-dire avoir 100% avec tout le monde. J'ai 100% avec tout le monde, sauf avec Akainu. Akainu que je n'ai pas encore rencontré. Akainu qu'on rencontre après le point de non-retour. Sauf qu'une fois qu'on l'a rencontré... On retourne et que, enfin, on est obligé de continuer l'histoire parce qu'on va sur la prison volante, etc. et qu'on peut pas s'éloigner. J'ai essayé, vous avez vu, il a fait, c'est pas le bon chemin. Du coup, voilà, donc dès qu'on rencontre Akainu, on retourne avant sa rencontre et du coup, on peut pas faire le rang pirate sans. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attendez, je vais voir les gens ce qu'ils disent. Je suis désolé, là, je perds du temps, mais... C'est n'importe quoi. Trophée chasseur de trésors. Ouais, non, mais ça, je m'en bats les couilles du trophée de trésors. J'ai déjà fini. Personne n'en parle, ok. Bon, ben voilà. Bon, ben, en tout cas, le jeu... Comme j'ai dit, l'histoire, elle est bien dans le fond, mais elle est très mal mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de cinématique. Le peu qu'il y a, elles sont pas ouf. Elles sont sympathiques, mais elles sont pas ouf. Il n'y a aucune scène marquante, à part peut-être... C'est vrai que la fin est cool, mais Isaac est en vie, donc c'est pas ouf. Il y a quoi d'autre ? Je sais pas, moi... Je sais même pas quoi vous dire. Genre... je vais le faire maintenant, mais attendez, je vais tout zapper. Ah putain, faut que... Blablabla. On peut même pas passer les cinématiques. Dites-vous, c'est incroyable. Bref, ça si, ça on peut zapper, mais voilà. Oh, il faut que je refasse le combat. Oh non, il faut, oh, non. Oui, je sais. Blablabla. Bon, l'histoire, voilà. Bon, l'histoire est assez sympa. C'est pas du grand One Piece, mais c'est sympa. Et c'est une redite de plusieurs arcs, en fait. C'est un petit peu une fusion, je trouve, de plusieurs arcs. Et notamment le film Z avec les Dynarocs. Ensuite, il y a quoi ? Il y a... Les graphismes sont pas ouf. Enfin, moi, je trouve ça pas ouf. Enfin, c'est joli. Non, franchement, c'est joli. Mais les personnages sont pas très jolis, je trouve. Vous aurez plus détaillé, quoi. Donc... voilà. Donc voilà, les graphismes sont pas ouf. Les décors sont jolis. Non, franchement, les décors sont jolis. La carte est pas jolie. Enfin, je la trouve pas. Le robot, c'est de la merde. Beaucoup.
Regardez comment c'est de la merde, mais arrête de tourner, mais regardez. Même pas jeune, je crois. C'était pas jeune. Oh putain, j'en ai eu. Voilà, incroyable. Incroyable jeu, j'espère que ça vous plaît. Voilà. C'était pas jeune, mais t'es sérieux? Ah si, c'est bon. Du coup voilà. Bon les graphismes ouais. Enfin l'île est pas ouf. L'île est enfin, c'est pas une île dont je me souviendrai en fait. C'est une île aux bijoux mais c'est pas. Oh, il faut tout faire. Oh, il faut faire voir. Il faut refaire tout ça là, vous savez. Oh là là. L'île ouais enfin. La grande ville est cool. Voir une grande ville comme ça, c'est cool, mais c'est pas. En fait, ce que je reproche à la carte, c'est qu'il n'y ait pas de référence. Genre, il y a Utopia vite fait, il y a Doskoi Panda, etc. D'accord. Après, c'est... bon, d'un côté, je comprends, parce que si c'était full fan service. Enfin. Je sais. Enfin, ouais, je sais pas quoi en penser, en fait. Pour moi, ça serait bien qu'il y ait des références, mais. Trop saturé les références. Mais. Je sais pas quoi en penser. Moi je sais pas quoi en penser. Pour faire simple. Et voilà, donc bon, la carte, c'est pas une île dont je me souviendrai. C'est une île de bijoux, mais franchement, à part le gros bijou là-bas sur la montagne, c'était pas archi beau non plus. C'était pas archi mis en avant, à part comment on appelle ça. À part. Ah oui, oh. Putain, je me souviens. Oh. Il faut retourner à la place Abri, puis ensuite il faut revenir ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal foutu. Qu'est-ce que c'est mal foutu. Blablabla. Donc ouais, la carte, bon. Facile en facile. Voilà, point de compétence 20. Ça y est. Oh putain. Voilà, incroyable, j'espère que ça vous plaît, c'est incroyable. Voilà, la carte, voilà, l'équipage est pas archi mis en avant, c'est dommage ça aussi, c'est très dommage. Je m'attendais à plus les voir, je m'attendais à ce qu'il y ait des cinématiques avec eux. Zoro, à part se perdre, il sert à rien. Sanji, à part cuisiner, il sert à rien. Mais tu me diras, c'est son rôle dans l'équipage, mais même, Sanji, normalement, il est classe. Enfin, voilà, Usopp, il a rien fait. Usopp, il a construit un jouet pour des enfants. Chopper, bon, Chopper a aidé beaucoup de monde, ça c'est sûr. Chopper était le plus utile, limite. Robin, bon, elle a fait plein de recherches, mais les recherches étaient dans les quêtes annexes de Robin. Et le problème avec ça, c'est que justement les quêtes annexes servaient à rien, je trouve. Enfin, c'est comme si elles n'existaient pas, les quêtes annexes. Genre, t'avais Robin et Luffy qui vont chercher des Diamond Rock avec Jeanne. Et genre, une heure plus tard, enfin, ils trouvent des Diamond Rock, etc. Enfin, ils en parlent et tout. Et genre, une heure plus tard, t'as Luffy qui dit à Jeanne, hey, au fait, est-ce que tu connais les Diamond Rock? Et Jeanne, elle fait, quoi? Mais comment tu connais ça, Luffy? Oh mon dieu, j'en en avais jamais parlé. Mais si, on a parlé dans la quête annexe précédente, c'est une meuf. Et après, dans la mission principale, ils en reparlent. Et ils font comme si c'était un truc nouveau qu'on n'avait jamais parlé. C'est mal foutu sur ce point, franchement. Ils ont voulu faire des quêtes annexes, mais les quêtes annexes, normalement, c'est utile. Enfin, ça peut être utile, des quêtes annexes, mais ça remplace pas l'histoire principale, normalement. Enfin, ouais, je sais pas. Il y avait tellement de choses à faire que...
Je sais pas. Non, franchement, je sais pas du tout comment penser. Donc voilà. Le quête annexe, voilà, j'ai donné, blablabla. Il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Oh, ça aussi, là, les gars. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de doublage, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi qu'il n'y ait pas de doublage. C'est moi qui ai dû faire des doublages, dites-vous. Je sais pas s'il y a des gens qui regarderont jusqu'au bout, parce que ce jeu me la chier, ça m'étonnerait que... Franchement, j'en voudrais à personne, hein, s'ils me disent « j'ai pas fini ton esprit parce que le jeu est la chier. » Oui, je comprendrais totalement. Hein? Pourquoi je... Il faut que je commence par là. Oh, j'avais oublié. Et voilà. Je sais plus ce que je disais, mais oui, les doublages, bon, c'est pas, c'est dommage, c'est très dommage. Enfin, ouais, non, moi je suis très déçu de ce jeu, très très déçu. Je suis content de l'histoire, et je suis content des décors, mais pas en tant que jeu, même en tant que One Piece, c'est nul. Enfin, pour moi, c'est, je trouve ça nul, voilà, tout simplement. Ça c'est cool, ça c'est cool, vous voyez, ça c'est très cool, vu que je suis à 100% de karma avec l'eau. Ah, tout à l'heure, oui d'accord, tout à l'heure j'étais pas à 100% avec l'eau, et du coup, genre, ça a pas créé de... comment dire, ah, ça c'est cool, vous voyez, genre, ça, vu que je suis à 100% avec l'eau, c'est comme si, enfin, je sais pas comment dire, genre ouais, je sais pas comment dire, enfin, tout à l'heure j'avais pas 100% avec l'eau, du coup il m'a, oh putain, j'ai fait tomber un truc, bref, on s'en fout, tout à l'heure j'ai enfin bref, voilà, j'étais pas à 100%, du coup l'eau n'est pas venue, et là il m'aide parce qu'on est à 100%, parce que ça a sauvegardé quand même les 100% que j'ai eu après la fin du jeu. Donc ça c'est cool. Blabla. Ah merde, oh j'ai zappé, oh, j'ai zappé une cinématique qu'il fallait pas. Mais voilà, Lucci aussi, j'étais pas à 100%, maintenant je le suis. Le type au pigeon? Le fait au chapeau de paille. Tu voudrais m'affronter ici? Non, pas maintenant. Bien. Ok. Ah, il y a quand même un combat. Toi aussi tu galères, merci. Ah, qu'est-ce que c'est chiant, ça amuse, hein. Je l'ai eu, je sais pas comment je l'ai eu. Bon, t'es sympa le Lucci, mais voilà. En fait, d'accord, Baggy et Lo, en fait, ils ont pas eu... Enfin, d'accord, j'ai compris. C'est bien, mais c'est pas bien. T'as pas l'intention de me faire tâter la justice? Vous n'y avez aucune chance de vaincre, si par miracle vous y parveniez, les autres ne vous laisseraient pas vous échapper de l'île. Alors pourquoi perdre mon temps avec les condamnés? Ouais, bon, tu s'en bats les couilles en fait. C'est bien, mais c'est pas bien. Genre là, Lucci s'est battu parce que c'est un boss. C'est un boss du jeu, du coup, il a été programmé à se battre. Mais Lo, on l'a jamais vu se battre, du coup, ils l'ont pas programmé pour se battre, et du coup, bah... Du coup, bah, il se bat pas. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est comme Baggy. Baggy non plus, on l'a jamais vu se battre. Dans le jeu, j'entends. Et du coup, bah, ils l'ont pas programmé, ça veut dire. Et du coup, c'est pour ça que quand il arrive, il tue tous les robots tout seul dans une cinématique. Mais sinon... Oh putain, j'ai pas activé la... Oh, qu'est-ce que c'est naze ça. Regardez, il faut que j'aille là-bas pour activer la quête qui est ici. Genre là, il y a des robots normalement. Oh, qu'est-ce que c'est naze, mais vous avez vu comment c'est naze ce jeu, mais vraiment, non. Là, je suis désolé, je vais être très salé, mais... Ah putain, il faut parler à lui, là. Ouais, salut. Ouais, blabla. Et voilà. Oh là là, il va y avoir des robots, il va y avoir Fujitora, etc. Et ouais, enfin du coup voilà, ils ont même pas... Oui, ça aussi, par exemple Zoro contre Isaac.
c'était bien. La cinématique était bien, mais ils ont pas codé Zoro pour se battre. C'est n'importe quoi. C'est Zoro, les gars. Imaginez un jeu sans Zoro. Ben là, c'est un jeu sans Zoro, en fait. En fait, voilà, ouais, c'est ça le problème du jeu, c'est que c'est trop flemma. Je sais même pas comment vous dire. Oh lol. Il s'est pris une vous avez vu là, il est passé à travers le truc parce qu'il était invincible. Oh là là, bref. Le jeu est beaucoup trop flemmard en fait, ils ont pas codé des personnages, dès que Luffy se bat avec un allié, par exemple Zoro, sa première apparition quand on se bat contre les robots, et ben Zoro se battait avec nous, hein, mais pourtant on était seul dans le combat. C'est comme Akainu contre Sabo. Là aussi, y'a rien. Genre tu vois un gros combat qui se commence, et là tu recommences à jouer, tu te dis, tiens le combat il est derrière moi, il est deux pas derrière moi, du coup je peux me retourner et le voir. Mais on ne peut pas le voir. Tu vas te faire foutre et voilà. C'est n'importe quoi, je suis désolé. C'est de la flemme pure et dure. C'est censé être le plus grand jeu One Piece de tous les temps. Enfin, le plus grand projet One Piece en jeu vidéo. Oh, me cassez pas les couilles. Ben non, c'est nul. Enfin, je suis désolé. Moi, c'est nul. Mais allez-vous. Et ça aussi, qu'est-ce que c'est chiant, ça, les snipers. Les snipers, ils te voient pas, mais ils te tirent dessus. Genre t'es pas repéré mais ils te tirent dessus quand même. Et du coup ils te font tomber, ils te font perdre du temps, ils t'emmerdent tout simplement. C'est n'importe quoi. Là il va y avoir le Jarma si je me souviens bien. Putain il faut activer la mission. Oh là là. Ouais salut. Ouais Gilles tu sers qu'à ça, t'as dit ouais je sers qu'à donner des infos, blablabla. On sait. Ouais salut. Ah, je vous assure, je suis désolé, hein, je suis salé, mais c'est de la merde. Ouais, salut, blablabla, le Germain, je pensais plus jamais vous revoir, mais apparemment, je suis obligé. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas, je sais même pas ce que je peux vous dire. Je viens de penser à un truc. Peut-être qu'il fallait voir les missions Karma avant de lancer la... Je vais rager. Si c'est ça, je vais rager. Si c'est ça, je vais rager vraiment. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ouais, incroyable. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce jeu? C'est incroyable. Ouais, il défend qu'une porte. Mon cul, ouais. Partir d'ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tiens, je vais en profiter pour aller plus vite. Hein. Voilà, maintenant on peut acheter ça. On peut acheter ça en plus. Puis ça. Puis ça. J'ai même pas assez. Oh, combien de fois je vais devoir finir le jeu pour pouvoir. Oh, c'est abominable, je suis désolé, c'est mal fait, c'est... Je sais même pas s'ils ont joué au jeu avant de... avant de le sortir, hein. Enfin... En plus, j'ai même pas touché le sol avant 150 ans, du coup ça me fait... je me calme. Je suis calme. Bref, pour finir sur le jeu... J'ai bien aimé faire le jeu, mais il y avait tellement de choses énervantes que j'ai pas aimé. Enfin, je sais même pas comment être précis que ça. C'est ça le pire, c'est que je sais pas quoi en penser. Mon cœur de fanboy me fait me dire ouais, ça va, ça peut plaire. Mais mon cœur de gamer me fait me dire non, je suis désolé, c'est de la merde. C'est pas cohérent, c'est mal. Enfin. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire sur cette fin de jeu, mais... Enfin, sur ce jeu en général même. Mais... je sais même pas.
C'est ça le pire, ça. C'est triste. Comment j'ai pu... On va aller voir si... Ouais, la maison de Bosupi, tout ça, on sait. Ouais, voilà, ils sont là, il y a des robots. Est-ce qu'il y a une cinématique là? Parce qu'on avait eu personne, mais là normalement il devait y avoir quelqu'un. Ah non, il y avait Smoker et Tachigi, oui. Non, là j'ai rien dit. Il y a Smoker et Tachigi. Ouais, blabla. C'est vous qui avez personne? C'était. Non, Baggy, il y avait le Sunny. À Saphir Town, je crois qu'il y avait personne. Parce que normalement il y a Crocodile, donc il va nous aider peut-être. Parce que là c'est pour montrer que ouais, c'est la guerre, etc. Tachigi, regardez, vous avez vu? Ils ont même pas codé Tachigi pour qu'elle se batte avec nous. Ils sont pas habitués à ce qu'on ait plus. Ils ont codé un seul allié en fait. On peut avoir qu'un seul allié dans ce jeu. Et vu que là, Tachigi elle est partie faire caca, je sais pas. C'est mal fait, je suis désolé, c'est mal fait. C'est mal fait. Après, je peux comprendre, c'est un open world, ça peut être compliqué. Mais. Après, est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup d'open world qui, en une mission, vous font traverser, qui vous font faire le tour de la map? Genre, non, moi, j'en connais pas. Genre là, la mission, c'est de faire le tour de la map. Et c'est tout. C'est le tour de la map. Et sans se téléporter, sans rien faire. C'est un tour de la map qu'on doit faire. Et... Non, c'est pas ouf. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé, hein. C'est pas ouf. C'est mal fait, je sais. On va tuer le pacifista, ça me fera des points. Des points de compétence. En plus, ça se tue en un coup. Donc. Ouais, salut. Est-ce qu'il faut que je tue tout le monde pour avoir les points de compétence? Non. J'ai pas eu de points de compétence, très bien. On adore ce jeu. On va rien dire, on va rien dire, on reste calme. En fait, pourquoi je passe par là alors que... Ouais, c'est pas grave. Retour prison avec... Ouais, bon, voilà. On va faire mon idée de base. Voilà. Voilà, on a bientôt fini. Je suis désolé, là je refais le jeu, mais j'ai envie de faire le platine en vidéo. J'espère que ça va marcher, parce que si ça marche pas, je vais péter un câble. Genre, je vais vraiment péter un câble. Je ferai pas le platine si ça marche pas là. Débarrasse-toi de tous les robots. Ouais, incroyable. Pourquoi je fais ça? Je suis con. Heureusement que je suis en facile, parce que... Ouais, Kizaru qui arrive, on sait, blablabla... Là aussi, vous allez voir, il y a tous les soldats de la marine dans cette base. Et pourtant, on n'a que Kizaru en allié, parce que les autres n'ont pas été programmés pour se battre avec nous. C'est de la flemme, ce jeu, c'est vraiment de la flemme. Pour moi, c'est pas... Kizaru, il a frappé alors que l'autre est en ici. Je peux même pas me crocher à eux, j'ai une attaque pour m'accrocher à eux, mais je peux pas. Ah d'accord, parce que sur les robots ça marche. Mais même sur les ennemis normaux, bah ça marche pas. Quoi? Putain, ça revient. Sur qui tu tires, toi? Et très bien, on s'y met, blablabla. Incroyable, incroyable, incroyable. Quel jeu incroyable. Je suis charmé. Tant de... Non, je suis saoulé. Je suis saoulé. Vraiment, hein. Là...
et je ferai pas, je referai pas le boss final. Ça, je finirai après Akainu. Et si après Akainu, j'ai pas les 100%, le jeu ira se faire foutre. Je le désinstallerai, je ne le réinstallerai plus jamais, vraiment. Pourtant, j'ai mis du cœur hein, dans ce jeu. Franchement, il y a tout le monde depuis ça. En fait, quand le jeu a été annoncé, on était tous hypés, déjà vraiment. On a vu Dragon, on a vu Marie-Joie en flamme et tout. On était là en mode, waouh, ça va être incroyable et tout. On a dit, ouais, il va y avoir l'armée révolutionnaire, il va y avoir Dragon, il va y avoir Marie-Joie, ça va être une histoire inédite comme Pirate Warriors 2, etc. Ça va réinventer l'histoire de One Piece. Ça va être le plus grand jeu One Piece de tous les temps, comme ils disent, etc. Mais